quitter ce monde de souffrance, ce monde de détresse, ce monde de péché, pour rentrer dans l'éternité. C'est pourquoi Jésus nous recommande de toi entre tes mains, que tes anges dans les cieux, à travers ta grande miséricorde, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivront. Toi qui es le Dieu des grâces et des miséricordes, sans ta grâce, sans ta miséricorde, personne ne peut être sauvé. C'est pourquoi Jésus, à travers son parcours terrestre, nous venons, Seigneur Jésus, auprès de toi, Seigneur, recommander ta bien-aimée entre tes mains. Toi qui es le Dieu de toutes tes grâces, ne regarde pas ses fautes, ne regarde pas ses égarements, ne regarde pas sa faiblesse, car la chair est faite. C'est pourquoi Jésus nous recommande toi entre tes mains. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte qu'il sera juste dans ton temps et ses cérestres comme celle de l'été. J'ai fait connaître mon péché, j'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Tu effaces la peine de mon péché. Que ce don pieux et bon temps convenable, dans son débord, dans la donneur de mort, tu n'agis pour moi, tu me rends la détresse, tu m'as tous les gens délivrants, j'ai des soins de montrer la voie que tu dois suivre, conseiller le regard sur toi, ne sois pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, on les bride avec un frein et un bord dans les pas, après sa force voit de toi, pour les douleurs sur la part du méchant, confie en l'Éternel, la volée de sa grâce, juste réjouissez-vous en l'Éternel, soyez l'allégresse, poussez des cris de joie. Pour tous ceux qui étaient droits de cœur. Sois éternel, qui fait des taux d'arrêt. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau à cause de ta tente donnera ses ondes et les gardiens dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains et avec ton bien-être contre la détresse. Je te livrerai, glorifierai, rassasié de longs jours et lui ferai voir mon salut. Oh!
de ma famille et de tous les proches du disciple de l'or pour vous remercier du fond du cœur pour votre présence et toutes les marques de sympathie que vous l'avez témoigné. Ici, je fais allusion à l'école qu'il a employée, c'est-à-dire que les chants d'oiseaux, et je remercie Madame la directrice et ses collègues qui sont venus compartir avec nous. En ce lieu, nous nous réunissons malheureusement pour ces circonstances que personne n'aime connaître. Même si cette question taraude tous les philosophes depuis la nuit des temps, il faut accepter notre condition biologique, c'est-à-dire il y a un début et il y a une fin, ce qui arrive alors aujourd'hui. De manière plus générale, notre vie est faite d'expériences heureuses et d'autres qui le sont moins. Mais notre capacité de résilience fait que naturellement, nous fixons nos bons souvenirs et nous oublions le reste. Effectivement, depuis quelques mois, elle était fort diminuée. Et ces derniers moments furent pénibles, tant que pour elle que pour moi, et tous ceux qui ne la reconnaissaient pas ainsi, et que lui ne reconnaissait plus vraisemblablement. Si je me réfère à ma mémoire, elle était particulièrement attachée à son Église et à ses valeurs, l'Église qui lui rend aujourd'hui l'honneur, dont je remercie ses dirigeants et ses adeptes, c'est-à-dire que les chrétiens. D'ailleurs, il était très fier de cet épisode que je garderai un grand souvenir. Elle était une femme qui aimait les autres, qui aimait créer et entretenir des contacts, des relations, des connaissances. C'est pour cela plusieurs d'entre vous, indirectement, qui vivent ici maintenant. Je n'ai pas eu la prétention de brosser toutes les facettes de ce que fut le disciple de l'or. Il est impossible de résumer un homme en quelques mots. Chacun ajoutera donc son chapitre, son anecdote, qui a marqué son souvenir et qui le gardera vivant en nous. Disciple de l'or, je l'appelais toujours disciple. Jamais je ne prononçais le nom de ma famille, je l'appelais toujours disciple parce qu'on s'aimait beaucoup. Disciple de l'or, je sais qu'il est stupide de m'adresser à un défunt, mais je le fais aujourd'hui. Mais par cet intermédiaire, je voudrais dire à tous combien je t'aimais, combien tu manqueras ceux qui t'appréciaient, tes collègues de service, mes amis et nos proches. Les sentiments s'expriment sans pathos, même si je ne les ai sans doute pas suffisamment clamés. Je les résumerai ici en un mot, merci. Je n'oublierai jamais ce que tu fais pour moi. Encore merci à l'assistance. Au nom de la famille Mongo, je tiens à vous remercier d'avoir reçu de votre présence pour venir rendre votre dernier hommage à notre sœur, notre épouse, collègue de travail, notre amie Laure Mongo. Laure, nous voulons tous ensemble, ta famille, tes amis, tes collègues de travail, te dire au revoir. La mort t'a emporté pour ton dernier voyage. Notre peine est immense. Ton décès est une vraie douleur au cœur et à l'âme. Ton départ est le début d'une nouvelle vie dans un autre monde. Nous l'espérons, un monde fait d'amour et de bonheur. Certains l'appellent le paradis. Te voir allongé et immobile nous donne des larmes d'amour et de peine qui nous montrent aux yeux tellement que tu es vivant dans nos cœurs et dans nos souvenirs. Vivre et croire, c'est aussi accepter que la vie contient la mort et que la mort contient la vie. C'est savoir au plus profond de soi qu'en fait, rien ne meurt jamais. Il n'y a pas de mort, il n'y a que de métamorphose. Lors, tu ne nous as pas quittés, mais tu t'en es allé au pays de la vie. Là où les fleurs plus jamais ne se fanent, là où le temps ne sait plus rien de nous. Tu as quitté nos ombres au pays de la vie. Tu as quitté nos souffrances et nos peines.
que tu as pris de l'avance au pays de la vie. Lors, tu es vivante, tu ne parles plus, mais tu es vivante. Tu ne bouges plus, mais tu es vivante. Tu ne souris plus, mais en arrière de tes yeux, tu nous regardes. Lors, toute notre foi, nous la rassemblons. Elle est maintenant notre seul lien avec toi. Lors, tu étais pour nous un modèle de vie, un exemple à suivre. Toute ta famille, ton mari, tes amis, tes collègues de travail sont là pour toi. La tristesse de ton mari témoigne que tu étais la meilleure épouse. À l'heure de ta mort, il nous reste des milliers de souvenirs de toi pour alimenter chacun de nos jours, de vie jusqu'à notre mort. Repose en paix, la vie ne dure qu'un instant, notre amour est éternel. Lors, nous ne t'oublierons pas, nous t'aimons à jamais. Terre qui recevra les corps de ta bien-aimé Seigneur Jésus. Amen. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tout. Qu'elle soit barricadée et Seigneur enveloppée à travers la puissance du Saint-Esprit. De même, Seigneur, tous ces mères en Adam, elle est morte en Adam, et l'Esprit, elle revivra en Christ. Amen.
sache que tu es une maman fortement. Maman, sache que tu étais une maman fortement. Merci d'avoir été aussi présente, d'être venue me chercher quasi à toutes mes primaires. Et surtout, pour tous nos bons moments passés. Après une longue vie remplie d'amour et d'amitié, tu t'es éteint en laissant mon cœur rempli de tristesse. Selon Jean de Mersol, il y a quelque chose de plus fort que la mort. C'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Merci maman pour tous ces bons moments. Merci pour tout ce que tu m'as donné. Dans ma vie, je n'ai pas grandi avec mes soeurs et mes frères du sang. Mais à travers toi, ma cousine, j'ai trouvé vraiment un amour fraternel. C'est comme si on s'est habitué dès que j'étais toute petite. Merci pour tout ce que tu as été, maman, pour nous et mes enfants. Tu resteras toujours dans mon cœur. Merci. Alléluia, Espírito Santo, Espírito da vida, Alléluia, Espírito de Deus, Espírito de Oração.